Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec quelques mots sur l'entreprise AI Performance. Et AI Performance est une entreprise qui travaille dans le domaine de la technologie et qui a réalisé des avancées significatives dans le domaine émergent de l'intelligence artificielle. Je pense que vous le savez, mais il y a un buzz mondial autour de l'intelligence artificielle qui est vraiment bien mérité. On entend souvent parler de ChatGPT-3, ChatGPT-4 et plein d'autres intelligences artificielles. Et AI Performance est en passe de devenir un acteur majeur dans ce domaine de l'intelligence artificielle, car leur objectif est de tout simplement révolutionner le secteur de la publicité et de fournir aux entrepreneurs les outils dont ils ont besoin pour réussir dans le paysage numérique moderne. Et pour ce faire, AI Performance a une équipe de développeurs talentueux qui ont conçu une technologie incroyablement puissante afin que les entreprises qui cherchent à maximiser leur potentiel marketing puissent utiliser leur algorithme, leur intelligence artificielle qu'ils ont mis dans un robot publicitaire qui est actuellement le plus rentable et qui se base sur les tendances émergentes du marché. Concernant la structure de la société, où se trouvent les bureaux de l'entreprise et surtout où est-ce que la société est légalement enregistrée? La société est légalement enregistrée aux États-Unis dans l'État du Delaware et a son siège social à Philadelphie. Deux bureaux commerciaux vont ouvrir prochainement, nous le verrons dans la roadmap, donc la feuille de route. Un bureau à Hong Kong, en Chine, et un bureau à Dubaï, dans les Émirats arabes unis. Voici concernant la structure. Maintenant, le produit. Nous avons vu ensemble que la société est une société technologique, qu'ils ont développé des algorithmes via l'intelligence artificielle pour réaliser un produit pour que des marques puissent justement utiliser ce robot pour se faire. Mais pour se mettre en avant et vendre des produits. Et comment est-ce qu'il fonctionne ce produit? Tout simplement, AI Performance est à l'affût des nouvelles tendances en analysant les mots et les phrases les plus populaires dans les moteurs de recherche tels que Google, Yahoo, ChatGPT et plein d'autres. Et elle peut rapidement détecter du coup les nouvelles tendances et identifier les produits qui s'y intègrent parfaitement. Une fois qu'AI Performance a identifié une tendance et un produit approprié, il crée automatiquement une publicité. Un schéma simplifié que nous détaillerons tout à l'heure afin que vous puissiez vous imaginer le fonctionnement. Vous avez l'entité centralisée d'un côté AI Performance, qui a développé des algorithmes via l'intelligence artificielle qui réalise des analyses sur les moteurs de recherche afin de détecter les tendances et des produits qui s'y intègrent pour créer des publicités. Des ventes sont donc réalisées et les marques reversent une commission à AI Performance pour chaque vente réalisée. Et cette commission s'appelle du cashback en anglais, donc une remise en argent en français. Ça, c'est le schéma simplifié que nous verrons plus en détail tout à l'heure. Comment ça marche concrètement et quelle est notre et votre utilité dans cet écosystème d'AI Performance? Eh bien, vous allez pouvoir comprendre et surtout apprécier le fait que nous, utilisateurs, notre rôle, il est simple. Nous devons simplement aider la société à financer leur campagne publicitaire. Donc, ce sont la communauté qui finance les campagnes publicitaires d'AI Performance. Et parce que nous finançons. De la société. Eh bien, clients et partenaires, nous allons toucher du cashback, donc une remise en argent, qui sera créditée sur notre solde de notre compte AI Performance. Et quel est le montant de ce cashback que nous allons recevoir tous les jours parce que nous avons financé les campagnes publicitaires? Nous allons toucher 0,85% tous les jours
7 jours sur 7, 365 jours par an. Le robot ne s'arrête jamais. Et les gains sont à vie. Lorsque nous réalisons un dépôt dans le budget publicitaire afin de financer les campagnes publicitaires, notre budget publicitaire va faire un cercle vertueux. Ça veut dire que simplement, il va travailler, générer des bénéfices pour la société et pour nous. Et après, une fois que les bénéfices sont générés, notre mise de base est tout le temps remise dans le robot et on ne va plus jamais remettre de notre argent dans notre poche si le dépôt que nous avons fait est suffisant pour les bénéfices qu'on veut générer. Ensuite, quel est justement le pourcentage total mensuel? Parce que si je vous dis 0,85% tous les jours, peut-être que vous vous dites actuellement combien ça fait par mois. Ça fait 25,5% mensuel de rentabilité sur le dépôt généré pour augmenter votre budget publicitaire et du coup financer les campagnes publicitaires. Hors stratégie d'intérêt composé, car vous pouvez aussi décider de réinvestir votre cashback et donc vos gains dans de nouvelles campagnes publicitaires pour encore augmenter vos bénéfices, ou vous pouvez décider de retirer vos fonds dès que vous avez 50 dollars de disponibles. Petite information complémentaire sur ce slide qui n'est pas notée, pour les personnes qui feront des retraits régulièrement et ne feront pas d'intérêt composé, ça fait 306% annuel sur le montant déposé. Pour ceux qui feront les intérêts composés sur une durée de 1 an total, ça fera 961% à l'année environ. Mais ça, nous le voyons en formation pour les clients qui rejoignent l'opportunité. Maintenant, voyons en détail justement le processus de fonctionnement interne de l'entreprise. AI Performance utilise le système de cashback. Et pour chaque vente réalisée avec l'aide du robot, AI Performance reçoit du cashback de la part des agrégateurs et nous obtenons ensuite une part de ces bénéfices parce que je vous rappelle que nous avons financé les campagnes publicitaires. Voici le schéma de fonctionnement. Imaginons que sur Internet, maintenant, il y a des milliers d'utilisateurs qui effectuent une recherche pour des machines à laver. L'algorithme va détecter qu'il y a une tendance pour des machines à laver et un produit. Du coup, l'algorithme d'AI Performance va créer une publicité pour une marque de machine à laver, va le mettre en avant pour les utilisateurs qui cherchent ce produit. L'utilisateur va cliquer sur la publicité et donc va être redirigé vers le site du vendeur. Le vendeur va réaliser une vente et la marque va reverser via les agrégateurs une commission sur la vente générée. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas, c'est quoi un agrégateur tout à l'heure. Cette commission, comment est-ce qu'elle est répartie après en interne dans le fonctionnement de la société? 20% va dans la trésorerie de l'entreprise. La trésorerie, c'est le fonds de sécurité des clients. Si aujourd'hui, il y a une campagne publicitaire qui n'est pas assez rentable pour nous rémunérer les 0,85%, ils pourront aller chercher de l'argent dans la trésorerie pour soutenir les 0,85% journaliers le temps que les campagnes redeviennent profitables et que nous puissions continuer l'aventure. La trésorerie, c'est le point névralgique de la société. Et ce qui est intéressant ici, c'est que nous, utilisateurs, par rapport à d'autres sociétés, nous avons une visibilité sur cette trésorerie et ce fonds de garantie. Demandez à la personne qui vous a invité ce soir, elle pourra vous fournir le lien de cette fameuse trésorerie et nous, vous pouvez voir les entrées d'argent et plus tard, s'il y a des sorties qui se fera, vous pourrez analyser les sorties qui se fera en toute transparence. Ensuite, sur chaque vente réalisée, 70% des bénéfices sont redistribués aux utilisateurs, c'est-à-dire nous, clients, qui avons financé les campagnes publicitaires, et 10% vont dans la poche d'AI Performance pour leurs frais fixes, notamment la rémunération des développeurs, l'amélioration et les coûts internes de fonctionnement de la société. Ensuite,
Pour pouvoir lancer des campagnes publicitaires, il faut des partenaires, il faut des marques partenaires pour pouvoir lancer des campagnes publicitaires et recevoir du cashback sur chaque vente réalisée. Soyez très attentifs à ce que je vais vous raconter ici. C'est une des parties les plus importantes de la présentation pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement interne de la société. Ici, vous voyez quelques marques, elles n'y sont pas toutes. Comme je le dis à chaque présentation, il est inutile d'aller dans votre McDonald's ou d'aller contacter Amazon pour voir s'ils ont un partenariat avec AI Performance parce qu'eux-mêmes ne sont pas au courant de ce potentiel partenariat. Vous allez me dire, mais comment cela se fait? Tout simplement, un petit peu comme quand vous voulez accéder au marché financier, il faut passer par un courtier qu'on appelle en français, en anglais un broker. Et un broker, un courtier dans le marché de la publicité, ça s'appelle des agrégateurs. Et ce sont les agrégateurs qui ont les partenariats avec les différentes marques. Et en fait, c'est un système en trois parties. Vous avez AI Performance en haut, les agrégateurs qui sont ici. Donc AI Performance lance des publicités pour les marques via les agrégateurs. Les agrégateurs, sur chaque vente réalisée, vont reverser la commission à AI Performance et AI Performance vont nous reverser à nous la commission qui nous est due parce que nous avons financé les différentes campagnes publicitaires. Donc voici le fonctionnement interne de l'entreprise. C'est le point important à comprendre sur le fonctionnement de la société. Ici, ce sont les agrégateurs qui ont les partenaires avec les marques et c'est les agrégateurs qui reversent la commission à AI Performance. J'en ai donc terminé avec la première partie de la présentation. Nous avons vu qu'AI Performance travaille dans le domaine technologique, qu'ils ont développé des algorithmes via l'intelligence artificielle en créant un robot publicitaire afin que des marques puissent justement mettre en avant leurs produits via les agrégateurs et que c'est ces agrégateurs sur chaque vente qui vont pouvoir nous rémunérer. Et la rémunération, parce que nous avons financé des campagnes publicitaires, s'élève à 0,85% journalièrement et 25,5% mensuel, hors stratégie d'intérêt composé. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de la présentation, qui est la présentation du plan de rémunération pour les personnes qui souhaitent développer l'activité. Cette seconde partie, j'insiste, est complètement optionnelle. Vous pouvez être simple client, profiter du fait de financer des campagnes publicitaires afin de justement bénéficier du cashback. Si après vous souhaitez développer l'activité, voici ce que la société a mis en place pour nous. Et vous allez voir, c'est vraiment très simple. Il y a trois bonus. Le bonus de bienvenue, dès l'inscription d'un partenaire, il aura 25 $ qui sera crédité sur son solde afin de tester dans un premier temps la plateforme gratuitement. Il le mettra au travail et pourra voir si ça lui intéresse. Une fois qu'il a compris le fonctionnement interne de la société et qu'il sait comment ça fonctionne et qu'il est prêt à passer à l'action, il faudra qu'il dépose au moins 50 $ et ensuite qu'il rembourse le chèque cadeau de 25 $ avant de pouvoir faire son premier retrait. Ce qui est normal parce qu'aucune société ne va donner de l'argent gratuitement. Et après le remboursement, malgré qu'on l'a remboursé, ces 25 $ continueront à générer des bénéfices tous les jours. Concernant les bonus de réseau, il y a les bonus de dépôt et les bonus résiduels. Je ne vais pas m'attarder ici, je ne suis pas là pour vendre le plan de rémunération ce soir. On voit ce plan de rémunération dans les formations, mais je vais vous donner quand même deux, trois informations ici. Ici, c'est un unilevel sur 10 niveaux de profondeur. Pas de binaire, pas de placement à faire, pas de chiffre d'affaires à réaliser et pas de qualification à réaliser. Le plan, il est simple. Il y a un bonus sur les dépôts et le bonus résiduel. Passons vite cela en revue si vous le voulez bien. Le premier bonus est le bonus de dépôt et il va vous permettre de recevoir jusqu'à 20% de commission de la part d'AI Performance sur les dépôts qui sont générés par vos partenaires. Exemple aujourd'hui, si Cécile décide de déposer 1 000 $, la société va me reverser 10% de commission parce que c'est ma partenaire de niveau 1. Je vais pouvoir recevoir une commission de 100
dollars. Soit je vais le réinvestir pour augmenter mes bénéfices journaliers, soit je vais les retirer. Je suis libre de faire ce que je veux et je touche la commission à 100%. C'est immédiat, je la reçois, j'en fais ce que je veux. Ensuite, si Cécile décide de parrainer Nikkez et que Nikkez fait un dépôt de 1000 dollars, parce que je suis le parrain de Cécile, je vais recevoir une commission de 2,5%, soit 25 dollars, etc., etc. Comme je vous l'ai dit, on voit le plan de rémunération dans les formations plus en détail. Maintenant, le bonus résiduel qui fonctionne aussi sur 10 niveaux de profondeur et qui est le bonus qui rémunère le plus sur le moyen long terme, car il fonctionne comme ceci, sans de bénéfices sur les gains générés par votre réseau. Exemple, si aujourd'hui Cécile gagne 1000 dollars par jour avec son robot, je vais gagner 60 dollars du lundi au dimanche toute l'année sur les bénéfices de ce robot, soit 100 dollars, soit 60 dollars dans cet exemple, et ce sur 10 niveaux de profondeur. Donc ça peut faire des compléments de revenus, des revenus, voire de très gros revenus. Ce bonus-là, il est quotidien. On travaille une fois et on est payé à vie sur l'ensemble de notre réseau. Maintenant, on ne va pas engager des fonds dans une société qui n'est pas profitable. On ne va pas engager des fonds dans une société qui ne gagne pas d'argent. On ne va pas se mettre en danger inutilement. Et comme je vous ai dit, le point numéro 1, 20% du cashback, donc 20% des bénéfices générés par la société, va dans la trésorerie et ce fonds est destiné à soutenir les clients. Et nous avons une visibilité dessus et prochainement, via un système de DAO, via un système d'organisation autonome décentralisée, nous aurons notre mot à dire sur cette fameuse trésorerie en tant que communauté. J'en reviendrai tout à l'heure sur ce fameux système de DAO. Deuxième point, un système anti-robot a été mis en place. Vu qu'ils offrent 25 dollars à l'inscription pour que tous les utilisateurs puissent tester la plateforme dans un premier temps gratuitement, ils ont mis un système anti-triche afin d'éviter tous les abus. Troisième point, et soyez attentifs, c'est le point le plus important, la stabilité des revenus. Il y a deux points qui s'intègrent là-dedans. Le premier, le système AI Performance, il est solide. Pourquoi, vous allez me dire? Car tant que les consommateurs sur Internet sont prêts à acheter des produits, AI Performance va pouvoir utiliser notre budget publicitaire pour lancer des campagnes publicitaires, générer des bénéfices sur chaque vente réalisée via les commissions versées par les agrégateurs et pourra nous rémunérer. Second point, nous avons une totale transparence sur les bénéfices générés par la société. Toutes les semaines et une fois par mois, ils nous font un bilan complet sur ce qui se passe. La semaine dernière encore, ils nous ont fait un bilan nous disant, voilà, nous avons dépensé autant de budget publicitaire et nous avons gagné autant d'argent cette semaine-ci. Ils nous disent le pourcentage de combien ils ont gagné, ils nous donnent le chiffre exact de combien ils ont gagné, on voit quelques marques, on voit combien de jours les publicités ont été lancées, combien ça a rapporté, combien de ventes ont été faites. Donc on a une totale transparence sur la création de richesse de la société AI Performance. Quatrième point, une équipe de développement solide. Nous mettons constamment à jour le robot AI Performance pour le rendre aussi efficace que possible. Concernant les moyens de dépôt et de retrait, comment est-ce qu'on peut déposer de l'argent sur AI Performance et comment est-ce que je peux retirer mes bénéfices de AI Performance? Les dépôts se font actuellement uniquement en crypto-monnaie. Il y a 13 crypto-monnaies différentes, dont l'USDT TRC20, l'USDT ERC20, le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin, le Dogecoin, le Shiba Inu et encore plein d'autres moyens de dépôt. Sur chaque dépôt, AI Performance prend 0% de frais. Les seuls frais qui vous seront imputés proviennent de vos échangeurs, tels que Binance, pour effectuer la transaction. Mais AI Performance ne prend aucun frais sur les dépôts. Concernant les retraits, quel est actuellement le moyen de dépôt, de retrait disponible, pardon? Nous faisons les retraits en USDT sur le réseau TRC20.
Sur les retraits, il y a 1% de frais et plus les frais de réseau, du réseau TRC20. Notez, et c'est très important de le rappeler, que vos retraits, vous pouvez le faire uniquement après avoir remboursé le chèque de 25 $, ce que le moment sera venu. Et le délai de traitement pour le paiement est de jusqu'à 24 heures. Concernant le futur, la société nous a assuré qu'il travaille déjà avec diligence pour ajouter des nouveaux moyens de dépôt plus traditionnels et des moyens de retrait plus traditionnels, tels que les virements bancaires, les retraits par carte, les dépôts par carte, et etc., pour vous faciliter la vie. Concernant les questions qui reviennent le plus, je vais vous faire part de deux qui sont pour moi les plus importantes. Qui est le directeur général de l'entreprise, donc qui est le CEO, qui est le patron de cette entreprise, et comment puis-je faire confiance à AI Performance, qui est une entité centralisée. Soyez très important, enfin très ouvert et soyez concentré. Je vais vous lire le passage du qui est le directeur général et ensuite vous dire la réponse dans le second passage. Nous sommes une équipe de développement, de développeurs, pardon. Et nous ne disposons actuellement pas d'un commercial compétent et digne de confiance pour gérer cette fonction de patron. Cependant, nous avons pris la décision de lancer une DAO dès que possible afin que la communauté puisse prendre des décisions concernant la gestion d'AI Performance. Une DAO, c'est quoi, vous allez me dire? C'est une organisation autonome décentralisée. En d'autres termes, vous pourrez voter sur différentes questions et avoir votre mot à dire sur les décisions d'AI Performance. Donc ici, il y a 5 développeurs dans la société. Ce ne sera pas uniquement eux qui prendront les décisions pour la société. C'est nous, avec un système de vote dans la blockchain. Donc on aura notre mot à dire sur chaque décision de l'entreprise. Ils ne pourront pas prendre décision sans nous. C'est pour ça aussi que je me suis intéressé à la société AI Performance. Ce n'est pas une seule personne qui prend les décisions pour l'ensemble de la communauté. C'est toute la communauté ensemble qui prennent la décision pour le chemin que va prendre l'entreprise. Par exemple, nous pourrons faire des propositions sur la gestion de la trésorerie de l'entreprise en investissant une partie ou sélectionnant un membre de confiance de la communauté pour sécuriser les fonds dans un portefeuille multisignature. Et nous mettons cela en œuvre dès que possible, voire la feuille de route que nous allons voir maintenant. Et concernant la feuille de route, il faut savoir que le lancement officiel de la société a été réalisé le 21 ou le 22 mai dernier. Donc ça va bientôt faire 2 mois que la société travaille pleinement. Et nous voyons d'ailleurs via les résultats chaque semaine la régularité et surtout l'augmentation des gains et des revenus de la société qui progresse. Pour juin, juillet, août, ils nous ont permis, ils le font encore actuellement, le fonctionnement interne de l'entreprise, notamment avec des articles. Vous pouvez aussi les demander à vos partenaires. Ils réalisent des articles régulièrement sur Medium afin de faire comprendre à la communauté le fonctionnement interne derrière nos écrans de l'entreprise AI Performance. Et au plus tard, pour fin août, la DAO sera en place et nous pourrons du coup prendre des décisions sur le chemin que prendra la société AI Performance. Concernant le troisième et quatrième trimestre de cette année, le bureau commercial à Dubaï et à Hong Kong va ouvrir. Et pourquoi c'est important? Mais tout simplement pour 2024, qui est une année internationale, justement au 1 an de la société, au mois de mai, où nous pourrons rencontrer directement les personnes derrière la société, dans les bureaux, dans les locaux de la société à Dubaï. Un produit que j'attends énormément, et je sais que dans ma communauté, beaucoup sont dans ce cas, c'est pour octobre 2024. Aujourd'hui,
Nous savons que la vie est excessivement chère. Quand nous faisons nos courses, nous voyons notre argent fondre comme neige au soleil. Et quand nous faisons le plein d'essence pour aller travailler ou se déplacer, c'est excessivement cher. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous allez me dire, c'est quoi la bonne nouvelle? En plus de gagner de l'argent parce que vous financez les campagnes publicitaires, il va y avoir un catalogue de magasins partenaires. Et si nous allons faire nos courses ou notre plein d'essence dans ces différentes stations d'essence ou dans les magasins, nous allons pouvoir recevoir une remise en argent de retour. Comment cela va se passer? Eh bien, très simplement, imaginons que dans le catalogue, il y a le magasin Carrefour, que nous allons faire nos courses donc, chez Carrefour. Nous payons nos courses comme d'habitude avec notre carte de banque. Nous récupérons le ticket, nous faisons une photo du ticket et nous allons le mettre sur le back-office. La société e-performance va vérifier que ces achats sont légitimes via le système de partenariat qu'ils auront avec les marques et nous reverserons une remise en argent sur notre back-office et nous ferons donc des économies sur ce système de remise en argent. Donc c'est vraiment hyper important de comprendre que petit à petit, grâce à ce système-là, nous ferons des économies. Pour le mois de juin 2025, ils vont lancer la carte AI Performance, nous permettant de faire deux choses. Premièrement, retirer nos bénéfices directement sur la carte et aller les dépenser où nous le souhaitons. Secondement, c'est une carte à cashback, donc une carte à remise en argent. Sur chaque dépense effectuée, nous allons recevoir un certain pourcentage en retour sur la carte. Donc nous aurons deux moyens en tout pour faire des économies d'argent et deux moyens supplémentaires de faire de l'argent en plus du robot publicitaire. Et voilà donc pour ma présentation, les amis. J'en ai donc terminé pour aujourd'hui. Je vais donc permettre la réécriture dans le chat de discussion afin que vous puissiez poser vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à me poser des questions à l'écrit et je me ferai un plaisir d'y répondre durant 3-4 petites minutes, bien entendu. Très important aussi, pendant que vous écrivez vos questions, je terminerai aussi par dire deux, trois mots. N'hésitez pas aussi à retourner vers la personne qui vous a invité ce soir. Elle a pensé à vous, elle a pensé que ce produit pourrait vous intéresser. Du coup, n'hésitez pas à lui faire un retour, même si c'est en négatif, de ce que vous en avez pensé. Et si vous avez apprécié, elle pourra vous accompagner lors de votre inscription et de toutes les démarches qui pourraient y avoir lors du processus d'inscription. Voilà les amis ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas, j'attends vos questions. J'attends 38, 39 et s'il n'y a pas de questions, je clôturerai la salle. Nous avons... Je clôturerai la salle. Cécile, après, nous avons du travail. Donc, je clôturerai la salle, je la réouvrirai pour que tu puisses te reconnecter et qu'on puisse faire ce que nous avons à faire.